Allez, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des découvertes sur Race Room avec aujourd'hui la Formula FRX Extreme 2017. La monoplace ultime débarque dans Race Room après un teasing de plusieurs semaines. Il y a de cela quelques jours, on vous avait proposé de découvrir une course face à l'IA dans la version bêta de la voiture. Ça s'était passé à Spa-Francorchamps et il y avait encore beaucoup de boulot. Aujourd'hui, depuis le 15 juin, eh bien, la voiture est disponible pour la somme d'à peu près 10 euros avec tout le contenu que cela comporte, à savoir une vingtaine de décorations reprenant, en tout cas s'inspirant de grandes marques comme par exemple l'équipe Lotus, l'équipe Mercedes ou encore l'équipe Ferrari avec des sponsors un petit peu aléatoires. On est ici aujourd'hui sur le Salzburgring pour la première des... Hop, on s'est fait pousser d'ailleurs. La première des, je sais pas, peut-être 3-4 courses que l'on va faire ensemble pour vous présenter cette voiture et évoquer ce qui ne va pas. Alors on a déjà râlé un petit... Oh là, l'IA est au ralenti. Alors sachez que l'IA est à 105% hop, pour le moment et qu'on est en mode get wheel, c'est-à-dire sans assistance. Alors... Pour résumer un petit peu la situation de ce qui se passe en ce moment chez Race Room, on a pas mal de nouveautés qui arrivent et on sent qu'on est peut-être en train d'arriver à la limite. Alors, je ne vais pas tout de suite taper sur l'ambulance, attention, parce que là, justement, on est arrêté. Allez, ça doit être un des gros soucis. Allez, la première revient, voilà. Ça va être sûrement un des gros soucis de ce mode et on va l'évoquer tout au long de cette vidéo. Alors, un mode très sympathique qui a comme... non extrême, eh bien pour une simple et bonne raison, c'est qu'il reprend toutes les spécificités techniques que l'on aurait pu rêver avec la nouvelle réglementation du championnat du monde de Formule 1. Alors ça a été bien expliqué clairement par les développeurs de Race Room. La volonté n'était pas de créer une voiture proche de ce qui est disponible en Formule 1 sans en avoir la licence, mais bel et bien une formule ultra poussée à l'extrême dans ce qui est l'adhérence pneumatique, l'adhérence aéro et les appendices mécaniques et électriques, puisque oui, on n'a pas d'hybridation ici, mais on a quand même un DRS avec un bouton. C'est quand même pas mal au niveau de ce qu'on a dans les Formule 1 et les monoplaces surtout modernes. Ça nous donne quand même un petit regain d'espoir sur ce qui pourrait se passer. Alors passons en revue, la voiture qui était au ralenti ici. Passons ensemble en revue la fiche technique de cette monoplace. Alors qu'on entame ici l'attaque de la ligne droite avec peut-être un frein. Alors, on va pas prendre trop de risques parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin du casque. On s'est un peu loupé au freinage d'ailleurs. Ah, alors que derrière ça a tapé je crois, j'ai bien vu dans mon rétroviseur en tout cas. Cette voiture est équipée d'un moteur V10, déjà c'est un V10 3 litres qui fait bien plaisir, c'est un moteur atmosphérique, pas de turbo ici, un moteur donc de 950 chevaux, développé à peu près 19 000 tours minute, à 370 Nm, une boîte 7 vitesses à palette, hein, donc ça se monte et ça se descend, un poids de 620 kg, donc jusque là assez classique, un réservoir de 150 litres, et voilà, vitesse de pointe théorique de plus de 320 km/h, un système de traction control ajustable, vous pouvez le modifier sur votre volant. Et vous avez également un système de DRS, le Drag Reduction System, l'aileron arrière qui s'abaisse dans les lignes droites. Alors pour l'utilisation de ce DRS, vous savez dans Race Room, il n'y a pas encore de zone déterminée. Donc c'est comme bon vous semble une fois que vous êtes à moins d'une seconde de la voiture avec qui vous vous battez. Attention à l'arrivée dans le rectifilo, ça va toucher, on ne sait pas faire autrement, ça c'est un des gros défauts. Allez, on va essayer de passer, hop, hop, la milieu, allez, on ouvre le peloton en deux, là, ça passe, c'est pas mal. Alors, effectivement, l'un des gros soucis de ce mode, et c'est ce qui a retardé sa sortie, c'est ce que nous avait confié à l'époque Jean-François Chardon, l'un des développeurs, que l'on salue d'ailleurs, toujours aussi réactif à nos attentes, au passage, c'est toujours bon de le rappeler. D'ailleurs, Jean-François Chardon qui pilote notamment, il avait été invité à la TT Cup des RFRO qu'on salue. Et il y avait un gros souci pour la gestion de l'IA, ce qui explique pourquoi la voiture a mis du temps à sortir. Et effectivement, il y a eu de l'amélioration, c'est clair. Par rapport à ce qu'on... Oh, c'est passé très très large là. Par rapport à ce qu'on avait pu tester à l'époque sur Spa-Francorchamps, on avait déconseillé de faire des vidéos contenant d'ailleurs des IA parce que ça ne ressemblait pas à grand chose. Eh bien, ça s'est bien amélioré, mais
force est de constater que ça reste tout à fait limité. Alors cette voiture est utilisable sur pas mal de circuits où elle est intéressante à piloter, mais n'allez pas la tester du côté de Mantorp ou encore d'Oschersleben. Ce sont des pistes qui risquent d'être beaucoup trop petites, pas assez larges, pas assez rapides pour ces voitures qui ont besoin de pistes du championnat du monde de Formule 1 pour s'exprimer. Je pense à Indianapolis, je pense à Silverstone, je pense ici à Monza. On va peut-être d'ailleurs aller à Silverstone juste après, donc c'est difficile de trouver un terrain de jeu qui leur convient et où l'IA peut vous suivre. Alors l'IA est très 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 performante sur les freinages. Et les petits défauts que l'on a parfois, on doit freiner un petit peu plus tôt parce que l'IA, elle, ne va jamais rater son freinage. Et bien ici, c'est un petit peu plus poussé et donc ça réduit encore l'immersion. Est-ce qu'on peut faire l'intérieur ou dehors? Ils se mettent dehors, attention, retour en piste, voilà. Alors tant qu'on est à évoquer l'IA de ces voitures, faut savoir que l'IA a été dotée depuis quelques updates d'une gestion du stress. C'est-à-dire que si vous poursuivez une voiture, après quelques tours, le pilote peut partir à la faute. Ça, c'est très très bien fait, mais c'est de nouveau poussé à l'extrême dans ce mode et ça peut parfois justement se retourner contre les joueurs. Bon, moi, j'ai pas trop expérimenté ça, mais j'ai quelques amis qui m'ont dit qu'effectivement, en roulant en mode Get Real avec les assistances retirées, eh bien, ça peut parfois donner des situations assez cocasses avec des voitures en travers après le deuxième virage. Donc voilà, donc ça, c'est à l'appréciation de chacun. Personnellement, ça dépend à quel niveau vous roulez, mais moi, j'ai pas été trop embêté à ce niveau-là. On va prendre un instant ensemble pour profiter de la caméra embarquée. Alors évidemment, avec le montage que je vous ferai, vous aurez des vues TV, histoire de vous rendre aussi compte de ce que donne la voiture. Ça attaque très très fort. Voilà, on ouvre le DRS, pas de mouvement au niveau des mains, bien sûr, pour le DRS ouvert. Mais on peut aller attaquer. Alors regardez, là, par contre, les pilotes de l'IA ne l'ont pas ouvert. On va essayer d'aller faire les freins à la parabolique. Hop, non, on se ravise. Allez, je vous laisse profiter un petit peu du son en on-board de cette Formula X. Et on se retrouve pour une troisième course, je pense. Je vous laisse la fin, le dernier tour ici à Monza. Hop, ça touche dans l'entrée du premier ici à Silverstone. Alors une voiture qui, vous le voyez, comme je vous le disais, dans les freinages assez serrés, se retrouve très vite, voilà, à toucher ses consoeurs sur le bord de la piste. C'est pas trop grave, mais ça enlève un petit peu du roleplay. Allez, ça touche encore, c'est pas grave, on va s'en remettre. En tout cas, on peut apprécier le son. En tout cas, c'est de nouveau un joli coup fait par Race Room. On regrette d'ailleurs que les voitures du championnat du monde de Formule 1 IRL n'ont pas ce son là, on le regrette avec l'hybridation V6, mais là, une fois de plus, Race Room montre qu'il reste le jeu avec eh bien, les meilleurs sons moteurs et d'ambiance. Je maintiens cela même en ayant joué à iRacing, vu que maintenant je peux vous le dire. Effectivement, ça reste bien évidemment la référence en termes d'ambiance sonore, en tout cas de bruit de moteur. Attention, on va essayer d'attaquer dans Cops. Est-ce que ça soulage? Oh, ah oui, d'accord, ça ne soulage pas du tout dans Cops pour l'IA. Hier que j'ai un petit peu réduit, je suis passé à 100% pour cette troisième et dernière course. On va essayer de voir si on freine. Ah non, on est. Ah oui, d'accord, ça passe très très fort. Et effectivement, sur le store, il est bien expliqué que la voiture doit être poussée à sa limite après un bon entraînement pour être stable et performante sans prendre de risques. Et je confirme, c'est sans doute l'une des voitures les plus difficiles à prendre en main parce que le gameplay tranche vraiment avec ce que vous avez l'habitude de retrouver dans Race Room. Alors, la question est simple, faut-il investir dans cette voiture ou pas?
Eh bien, je vais vous dire que ça dépend. Ça dépend tout à fait de ce que vous recherchez. Si vous êtes un fanatique ou un aficionado, un habitué de la plateforme Race Room et que vous jouez au Touring Car, au GT, à ce genre de disciplines qui sont pour moi ce qui est le plus réussi sur la plateforme, vous allez peut-être être un peu perdu. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça donne une nouvelle perspective de ce que proposait Race Room. Alors certes, on avait déjà des monoplaces avec la Formula Junior, la Formule 3 et la Formula Race Room 2, mais là on touche à un tout autre niveau. Alors à vous de voir si vous avez l'étoffe et le temps pour vous mettre à maîtriser cette voiture comme le reste des bolides. Et si vous y arrivez, eh bien ce sera le pied intégral avec toutes ces limite de grip, c'est plutôt réussi. Alors il y a d'autres choses qui sont un peu dérangeantes. On a évoqué le son, c'est réussi. Le côté de la modélisation 3D, on reprochera peut-être la vision des pneumatiques un petit peu en forme de boudin. Ça peut peut-être déranger certains au niveau du réalisme. Le manque du choix de gomme et la modification peut-être des couleurs des bandes sur le flanc de ces mêmes pneumatiques. Ça peut déranger effectivement les plus fans de Formule 1 ou en tout cas les plus les plus attentifs. Ah le coup là, je savais que j'allais me le prendre celui-là, il a fait très très mal dans ma Guts, Beckett, ses chapelles, mais ça reste tout à fait honorable, je pense, comme sensation. Au niveau de la physique, le force feedback est assez simpliste. On n'a pas de détails aussi perfectibles et aussi facilement, comment dirais-je, apporté avec autant de soin que ce qu'on a en touring car. Ça reste assez basique, je trouve, pour le moment. Alors, on sait que Race Room a tendance à sortir une voiture assez moyenne hein, quand ils mettent une voiture à disposition en termes de force feedback, etc. Et qu'après les updates qui suivent, on a quelque chose de toujours beaucoup plus fin et beaucoup plus affiné selon le volant. Alors, effectivement, ça a été le cas avec la Formula Junior, que j'avais trouvé à l'époque horrible, qui est beaucoup plus pilotable aujourd'hui. C'était le cas également de la F3, qui, quoi qu'il arrive, décroche, alors que une Formule 3, c'est l'inverse. Plus vous accélérez, plus ça passe fort. Et cette règle est cassée avec cette Formula Extreme 2017, puisque oui, plus vous passez fort en courbe cette fois-ci, plus la voiture va tenir. Et il va falloir les coronas nécessaires pour passer en courbe rapidement. Et c'est là que vous allez prendre, je pense, le plus de plaisir à risquer de voir l'arrière décrocher avec un DRS qui, ma foi, peut toujours rester ouvert par inadvertance, même s'il a l'air de se fermer de manière assez correcte, sans trop de bugs. Voilà ce qu'il y avait à dire sur cette Formula Race Room Extreme 2017. J'espère que cette découverte vous aura éclairé et vous aura plu, que vous en voyez un petit peu plus le bout du tunnel face à toutes ces nouvelles extensions sur le jeu. Attention, on va encore se faire attaquer là, attention. Par la voiture Samsung, ça va plonger à l'intérieur. On va essayer de résister. Hop, wow, c'était joli. Ouais, du coup, on va percuter les plots. Voilà, et bien écoutez, merci à toutes et à tous de votre attention sur cette découverte. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures avec notamment lundi, le début de l'aventure iRacing à 16h. Et d'ici là, portez-vous bien et bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine, salut et bon week-end.